and us unworthy. These usurpers. For though you have been burned, it only takes a cinder for a phoenix to rise. Their walled citadels. So pretty to behold. This world, and everything that's in it, will burn. With these ashes, my son, we have our revenge. No. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, j'ai la forme. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau commentary de Total War Warhammer 2 avec le trailer en développement des elfes noirs. Donc là cette fois on va avoir un petit peu mieux les forces qui sont présentes du côté elfes noirs et les potentialités, enfin les potentiels héros légendaires qui sont présents. Donc ce qui est sûr c'est qu'on aura le Malekith, le roi sorcier aux elfes noirs de Naggaroth. Donc mais par contre, quels seront les autres seigneurs, je ne sais pas encore, donc j'ai des idées de suppositions et je vous les soumettrai avec la vidéo. J'essaierai de vous commenter un peu le tout. Donc je vais vous lancer le trailer, donc c'est parti. They would brand us unworthy. Donc déjà, là je me surpose les amis, on voit que ça se passe à Utluan, donc ça va être une guerre entre les elfes noirs et les hauts elfes. Donc il faut savoir que des elfes noirs sont partis d'Utluan parce qu'ils ont suivi Malekith, donc il y avait une guerre civile avec les hauts elfes. Et dans mes souvenirs, il me semble que c'est ça qui a créé les elfes noirs et qui se sont exilés vers Naggaroth. Donc voilà ce que je pensais. Donc on a Malekith, le roi sorcier, donc présent avec une femme. Hein, donc cette femme, je pense que c'est sa mère. Comment elle s'appelait déjà? Moridrif, Moridrat. Attendez, j'ai ça qui va peut-être m'aider à rappeler. Donc j'ai le PDF des elfes de des elfes noirs de Total de Warhammer Battle. Donc alors c'est Morati, pardon. Voilà. Donc je vais vous retrouver son image si j'y arrive un jour. Alors, c'est quelle page? Morati. Page 54. Donc, je vais taper cette page 54. Hein. Tac. Donc, c'est la maman de notre ami Malekith. Donc, qu'on appelle aussi la sorcière matriarche de Gond. Donc, là, vous voyez son ancien profil et tout. Donc, en gros, qu'est-ce que je peux vous dire d'elle? Donc, elle chevauche un Pégase noir qui s'appelle Sulufette. Donc on va peut-être le retrouver plus tard. Donc, alors, Morati poursuit alors son but avec détermination absolue.
Elle a consacré des millénaires à enseigner la magie et la politique à son fils, et elle travaille sans relâche à maintenir l'emprise de ce dernier sur le trône de Nagar. Donc, voilà, on va dire que sa maman est un petit peu trop près de lui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme on reste dans la famille, hein, donc. Bon, alors, à chaque fois que le roi sorcier elle existe, elle est toujours là pour raviver la flamme de la haine dans son cœur, et chaque fois qu'on l'a trahi, nul n'a lutté plus âprement pour restaurer son autorité. Donc, en gros, elle veut tout faire en sorte pour que son fils soit le roi du Tluan. Donc, parce que faut savoir qu'à la base, de ce que je me souviens, notre ami Maliki, qui est ici, est un ancien elfe du Tluan. Donc, il a toujours une haine envers eux parce qu'il a réussi, il n'a pas réussi à devenir roi. Et je pense que son armure est un signe qui montre qu'il a bien souffert. Donc, dans mes souvenirs, il avait essayé de passer une épreuve de rituel pour devenir le nouveau roi du Tluan. Mais bon, ça s'est pas bien passé parce que il a subi des brûlures à de haut degré, ce qui fait que il était limite aux deux doigts de la mort, et son armure, je pense que ça l'aide à le maintenir un peu en vie, concrètement. Donc, son armure, à mon avis, ça doit être l'armure de Mimi, son objet légendaire, qui sera un de ses équipements légendaires dans le jeu. Il a aussi le bouclier tueur de sort suprême qu'on pourrait peut-être retrouver. Donc en gros, c'est un truc pour limiter les impacts de la magie. Et enfin, bien sûr, pour moi, ce qui est logique, c'est la couronne de fer. Hein, donc, on y voit aussi curieusement un petit clin d'œil avec le Seigneur des Anneaux, la couronne de fer, pour ceux qui se rappellent dans le jeu Bataille pour la Terre du Milieu, l'avènement du roi sorcier. Donc en gros, ça pourrait peut-être lui donner un bonus de commandement, des choses comme ça, où on a démoralisé l'habilité, qui sait. Et enfin, son arme magique. Donc je vais vous zoomer un peu, si j'y arrive. Alors, la destructrice. Donc ça va être son arme qu'on a vu, qu'on va peut-être voir plus tard. Ouais, c'est une lame qui symbolise la détermination des elfes noirs à détruire les elfes et toutes leurs œuvres. Donc, et le moindre contact avec cette arme peut annihiler les enchantements et même aspirer le savoir à l'esprit des sorciers imprudents. Eh bah, en tout cas, ça promet. Donc, voilà. Il a aussi un dragon, je crois, qui s'appelle Séraphon. Donc, c'est un dragon noir. Donc, vous allez voir en vidéo. Donc, après ces petites digressions, je vais reprendre le cours de la vidéo. It only takes a cinder for a phoenix to rise. Ah bah tiens. Je vous le disais, en parlant de dragon noir, en voilà un. Donc ce sera une des bêtes de guerre que possèdent les elfes. Les elfes noirs, pardon. Donc ce sont aussi des maîtres dompteurs d'animaux, de bêtes. Donc. Et au fond, là, vous le voyez peut-être, je sais pas si vous verrez avec ma souris, mais on voit une sorte d'hydre, donc ça va être aussi des créatures les plus redoutables à affronter. Et surtout qu'elle peut se régénérer, une hydre, hein, comme une hydre d'Hercule. Là, la ville OS est en train de se faire ravager, mais bien quoi. Ça s'effondre et ça tue des hommes. Ah bah, lui il a pris un bloc, rip. Donc là on voit un capitaine ou un haut dignitaire elf en train de se replier. Ah là on voit des cadavres d'elf. Et voilà. Magie, tac. Et tadam. Donc là on voit que le monstre en périmètre défensif. Donc le voilà. Malekith, le roi sorcier de Nagaroth. Chef suprême. Et destruct fléau aux elfes. Donc vous le voyez avec son armure, hein, donc l'armure de minuit et la couronne de fer. Et certainement on verra son arme, le destructeur en action. Donc est-ce que je vais juste revérifier ce que Malekith utilisait la magie. Je me permets juste ça de vérifier. Il me semble que oui, mais je sais plus c'est quel domaine. Il y a forcément un domaine particulier connaissant ça. Donc c'est pas là. Excusez-moi si je navigue sur mon PC. Mais bon, c'est pour votre bien, donc c'était page 54. Magie. Il utilise le domaine de la magie noire. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est la page 61. Donc, voilà. Alors, il a des sorts potentiels alors. 61. Alors, voici encore le domaine de magie. Donc j'espère que ça vous plaît, que je vous montre un petit peu les livres de Warhammer sur lesquels je m'appuie. Donc, on a le sort puissance des ténèbres, l'éclair noir. Le vent glacial, le mot de douleur, le vent de l'âme, conjuration hostile, linceul de désespoir, voleur d'âme, horreur noire d'Arnzinpal. Donc, alors, pour moi, les deux sorts, alors c'est pas le sort là, donc je penserais plutôt à un éclair noir donc qui bloque l'entrée, je pense. Donc,
Voilà, parenthèse refermée, donc vous avez ici toute la liste des sorts potentiels qu'aura le domaine de la magie noire. Et donc voilà. Donc on va continuer. Donc allons voir notre ami magnétique s'il va être ce qu'il va faire maintenant. Bon bah déjà je crois que Yosef il va faire. Ah bah tiens. Bon bah vous voyez la puissance de son arme, la destructrice. Bon, ils n'ont pas forcément besoin de l'arme, mais hop, j'attrape la lance et je t'embroche. Par contre son armure ça le protège bien, je pense qu'il va avoir un bonus d'armure assez conséquent. Ce qui va être plutôt assez impressionnant, donc je vais baisser un peu le son. Et là qu'est-ce qu'on va surgir? Oh bah là, vous êtes dans la merde les mecs, excusez-moi de vous dire ça. Donc attendez, je voulais remettre un petit peu parce que les hydres, je vous avoue que c'est des gros animaux. Donc 4 têtes, hein, c'est une hydre de feu, hein, donc ça promet d'être assez intéressant. Donc un monstre à la puissance et au souffle dévastateur. Donc si vous voulez faire des parties barbecue, vous n'avez qu'à l'appeler. Et là, on revoit la maman de Malkith Morati. Donc elle dit qu'elle a sa revanche, grosso modo. Non, et son fils dit non. Apparemment, il dirait que tout a commencé, donc ça veut dire que le vortex va être la clé. Donc, à mon avis, il va essayer de se venger des Ozad, peut-être pour déverser des hordes de démons sur Utuzan et sur l'ensemble du vieux monde et du nouveau monde, donc à savoir Homme Lustrie, Arabie peut-être, etc. Donc, voilà, voilà. Apparemment, est-ce que c'est mal. La question que je suis en train de poser, est-ce que c'est Malekith avec son bouclier tueur de sorts? Je pense que c'est ça. Donc, en tout cas, il aurait de la gueule, hein, comme ça. Alors, donc là, le trailer est fini. Donc, moi, je me pose deux questions. Est-ce qu'on veut le deuxième personnage sera vraiment sa mère? Moi, ça me semblerait une hypothèse assez intéressante. Pourquoi? Parce que, bon, c'est peut-être bête, mais dans Total War Warhammer 1, nous avions les époux von Karstein. Bon, vous allez me dire, c'est de la famille, mais bon, ouais, c'est deux époux, gnagnagna. Donc, on avait Vlad et Isabella von Karstein. Donc, moi, ça me semble logique jusque-là. Dans Total War Warhammer 2, nous avons les frères jumeaux OL, donc à savoir Tyrion le prince guerrier et Teclis le haut mage. Jusque là ça va. Donc moi je vois bien personnellement Malekith, le roi sorcier de Nagaroth, avec sa mère Morati et son Pégase. Et j'espère qu'on verra aussi en action la monture de notre ami roi sorcier pour faire assez de dégâts. Sinon, admettons que sa mère soit juste là, mais juste pour le décor entre guillemets, juste là pour la narration, je vois deux autres héros potentiels. Donc alors je vais retourner à la page question. Donc on avait Malekith, on avait Morati, sa maman. Alors l'autre candidat potentiel serait Elebron, donc c'est la reine de sang de Argenet, c'est une matriarche, c'est une reine matriarche, donc c'est une des plus anciennes avec Morati. Et c'est aussi l'une des premières concubines de Kane. Donc Kane, c'est le dieu du culte des furies elfes noires. Et elle est l'une des plus anciennes. Donc après, pourquoi pas, elle viendrait plus tard. Ça peut être une hypothèse aussi. Certaines factions avaient 2 à 3 seigneurs dans le futur. Donc bon. Sinon, le quatrième candidat, pour moi, le moins probable, parce que c'est un grand guerrier, certes, je ne renie pas ça, Malus Darkblade, appelé aussi le rejeton de Haggrave. Ça pourrait être une hypothèse intéressante. Mais je vois pas deux guerriers se piétiner, sachant que pour moi c'est mon avis, mais je vois plus Malus Darkblade comme un subordonné de Malekith. Donc je le vois pas arrivant en héros légendaire, peut-être pas pour tout de suite en tout cas. Donc pour moi ça serait soit sa mère Morati, de ce que je vous ai dit pour la première hypothèse, et Elebron, ou Elebron, la chef des reines matriarches des elfes nord. Concernant le roster, donc là c'est des héros qu'on connaît pas, donc je pense pas que ça y sera sincèrement. On va remonter. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Il est où le roster déjà? Il faut un peu de temps. Donc, on a différentes bêtes à Nagaro. Donc, on a les dragons noirs, je vous ai mentionné. Les harpies, ce qui peut toujours être cool. Les hydres que vous avez vu dans le trailer, bien sûr. Donc. Ensuite, on a ce qu'on appelle des sanctuaires incarnats. Donc, ce sont des espèces de. Alors. Alors, ils ont quoi dessus? Ils ont des méduses incarnates. Ok. Une gardienne et un sanctuaire arcana, donc ça doit être le char, donc avec ouais ça c'est plutôt pas mal.
Ensuite, on a les chaudrons de sang, donc c'est le lieu de culte, enfin, ce sont des lieux de rassemblement où. Attendez, je vais essayer de vous lire un peu. Un chaudron de sang est une relique enchantée d'un grand pouvoir, si bien qu'une matriarche peut s'attirer les bénédictions de Ken en récitant les invocations appropriées. Donc ça pourrait être pas mal non plus, hein, ça va être un char de soutien, je pense, un peu comme la charrette macabre des contes vampires, je pense. Après, ils ont des servants de furie, ça peut être pas mal. Donc, à mon avis, c'est là qu'on fait des sacrifices hein, pour le dieu Kane, le dieu du meurtre. Donc, voilà, on a les promises de Kane. Donc, on a les furies que vous voyez, les furies basiques ici, et les matriarches, donc comme Elebron par exemple. Même si celle-ci est beaucoup plus évoluée. On a les sœurs du massacre aussi. Donc, je ne connais pas trop ces unités. Donc, ce sont des femmes, on va faire très mal. Donc, on a les exécuteurs de Harganet. Donc, ce sont des épéistes à deux mains. Donc, je ne sais pas si on les a vus dans le trailer. À mon avis, ça va correspondre un petit peu près aux joueurs d'épée, aux maîtres des épées de OF, pardon. Donc ça pourrait être pas mal, un équivalent comme ça. Perse armée anti-infanterie. On a la garde noire de Nagaron qui sont des hallebardiers qui correspondent à peu près à la garde Phénix. Et voilà enfin des choses intéressantes. Les sang-froid. Donc des lézards, hein, comme les hommes lézards, tout simplement. On peut avoir des chevaliers sur sang-froid et des chars à sang-froid. Donc. Je pense qu'on aura les deux, ça serait pas mal. Ça va être assez intéressant à voir. Niveau de la cavalerie, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On aura des corsaires, ce qui pourrait être pas mal. Donc, même si on les verra pas, pour la simple raison que les batailles navales ne seront pas mal. À moins qu'ils mettent des unités à pied, ce qui pourrait être cool. On a des ombres, à mon avis, ce sont des assassins. Qu'est-ce qu'on a encore? Des maîtres torches noires. Des cavaliers noirs, ça pourrait être bien. Donc, avec des cavaliers avec des chevaux, bien sûr. Ensuite, on a les guerriers elfes noirs. Donc, comme vous le voyez, ils ressemblent un petit peu aux elfes, mais bon, l'armure et le style de l'arme est différent, donc c'est plus agressif, je trouve. C'est vraiment pas mal. On aura aussi des balistes faucheuses, je pense. Ça pourrait être pas mal. Alors, niveau ici, donc qu'est-ce qu'on peut encore avoir? On pourrait avoir des quoi? Des dresseurs de monstres, ça pourrait être cool. Des chars à courre. À voir, donc. Et des sorciers, on en aura à mon avis. Hein. Alors magie noire. Alors apparemment, ils peuvent manier la magie noire ou n'importe quel autre domaine de magie, ce qui est plutôt intéressant à savoir. Donc ça, les assassins canides, je pense que ce sera des agents. Et les tyrans de Nagaroth sont des généraux de base. Donc je pense que c'est tout. Il faut pas oublier aussi les arbalétriers à répétition, qui sont très pratiques et très puissants. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce trailer. Très prometteur de Total War Warhammer 2. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira les amis. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, ce qui a été pour vous, ce qui n'a pas été de mon côté, si c'est des soucis techniques ou autres. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo pour me soutenir, hein. Ça fait toujours plaisir, hein. J'apprécie toujours le soutien et la construction de ma petite chaîne, hein. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Salut à toutes et à tous les amis, c'était Kaiser von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir.